Bonjour les amis. Nous sommes à 48 heures des élections du deuxième tour. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui me paraît essentiel, mais aussi grave. Voter blanc, c'est voter pour le pouvoir en place. C'est-à-dire voter pour M. Macron. Monsieur M du Palais, si vous préférez. On va l'appeler comme ça. Et ce monsieur a décidé, derrière notre dos, de tout nous supprimer. Retraite, maison propriétaire, tout ce que les propriétaires peuvent avoir, leur maison secondaire, leur maison principale, le RSA, le chômage. Baisser les salaires, si vous touchez un salaire à 2500, il va vous le mettre à 1100 euros. Vous voyez un peu la perversité qu'a ce monsieur. Mais ce qui est pire, mes amis, et je vous le répète, est-ce que vous êtes prêts à devenir américain? Je suis française. Mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents étaient français. Et je vais me battre pour garder mon identité, garder mon pays, la France. Parce que ce cher monsieur du palais a donné tous les codes de sécurité de l'État. Au bidon. Ouais. D'abord, c'est plus lui qui gouverne, puisque c'est le mec qui sait. Et aujourd'hui, j'ai appris par des gens bien placés qu'il voulait supprimer la Marseillaise, notre hymne, notre drapeau, et que c'était les Américains qui prenaient possession. Alors mes amis, mes bons sons, bougez-vous, relevez la tête, il est grand temps que les citoyens français décident de garder leur pouvoir d'achat, leur bien, leur nationalité, et que c'est pas un homme comme ça qui va nous faire peur. Arrêtez d'écouter toutes ces chaînes qu'il y a à la télé, CNews et tout le reste. Ce n'est que mensonges et mensonges qui sont payés par M. Dupalais. Je vous le dis. Il ne faudra pas venir pleurer après si on vous touche à vos retraites, si on touche à vos salaires, si on vous supprime tout. Ne venez pas pleurer après. Je vous le dis. Voter blanc, c'est voter pour Macron, M. Dupalais. Madame MLP, elle, c'est tout le contraire. C'est du pouvoir d'achat qu'elle va vous redonner. Elle va vous redonner de l'argent, augmenter le salaire, même si ça augmente de 1000 euros. Mais ce sera 1000 euros et c'est pérenne. Qu'est-ce qui vous fait peur? C'est pas son père. Elle est elle-même. Elle est carrée. Elle est beaucoup plus posé. Si vous avez bien regardé le débat de mercredi, regardez les yeux de Monsieur M. du Palais, regardez sa position devant les journalistes. Il a été incapable, je dis bien incapable, de regarder son adversaire en face. Et vous appelez ça un homme qui est franc? Je suis désolée les amis, pour moi c'est un néo. C'est un malade, c'est un fou. Qu'est-ce qui nous prouve que c'était le bon? Puisque plusieurs personnes disent que ils s'en sont réduits à traficoter tout. Mais qu'est-ce qui nous prouve que c'était le vrai? Personne. Personne. Mais là, aujourd'hui, vous avez votre vie. Votre avenir et celle de vos enfants
pour 5 ans. Parce que vous êtes d'accord pour passer à 7 ans encore? Je ne crois pas. Parce que s'il passe, je peux vous assurer qu'il y a une belle révolution qui se prépare. Et croyez-moi, ça va faire mal. Alors, rendez-vous aux urnes dimanche. Et surtout, ne votez pas blanc. Parce que vous allez voter quand même pour Macron si vous n'êtes même pas d'accord. Tentez votre chance. Laissez-lui la chance de nous prouver ce qu'elle est capable de faire. Bon sang, les amis, réveillez-vous. Pensez à votre avenir, à celle de vos enfants et de la génération qui suit après. Si vous voulez continuer à vous faire marceler, matraquer la tête, comme pendant les 5 ans qu'on a passés, eh bien alors allez-y, allez-y les amis. Mais ne venez pas pleurer. C'est moi qui vous le dis. Si c'est madame qui passe, tout ira bien. Il y en aura bien sûr ceux qui étaient contre, vont foutre leurs zizanies, vont aller foutre leur merde. Excusez-moi. On reste poli. Mais si c'est lui qui passe, alors là, ce sera pire que quand les gilets jaunes ont fait leur manif. Ça sera pire. À vous de choisir. Et c'est moi qui vous le dis. J'essaierai de vous refaire une vidéo après les élections, la semaine prochaine. Voir ce qui s'est vraiment passé. En attendant, les amis, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous. Parce que ça, c'est pour moi. Ça me fait du bien de savoir que des gens me regardent et m'écoutent. Alors, le petit pouce bleu, abonnez-vous. Partagez si vous voulez. Mais il faut qu'on obtienne le plus de vues, le plus de voix. On va se revoir. Et je peux vous assurer, s'il repasse, je peux vous annoncer qu'il y aura encore une belle manifestation, même plus qu'une manifestation, une révolution. Parce que là, les gens vont en avoir ras-le-bol. Sur ce, je vous laisse les amis, et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, et je vous embrasse. Ciao, ciao !